Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bah, j'y pense, mis à part les Insta Stories, c'est la première fois que je fais appel à mon Redmi Note 7. C'est un smartphone que j'ai acheté avec un abonnement en mi-juillet. Bah, c'est la première fois que je vais l'utiliser pour présenter une vidéo de ce que j'ai acheté au mois de juillet. Et ben bah, oui, bah, déjà ce magnifique Xiaomi Redmi Note 7, bon, que vous voyez pas à l'écran, mais vous voyez, je pense qu'il y a un petit changement d'image, de qualité d'image. C'est beaucoup plus net, je pense, que par rapport à mon Huawei Y6. Enfin voilà, mais j'en suis content pour l'instant. Capacité de stockage, au niveau des vidéos photos, bah, je trouve que ça fait le taf, franchement. Enfin voilà quoi, petite parenthèse. Bon, mois de juillet, je crois que j'ai un peu exagéré, mais à juste titre, j'ai une bonne raison. Normalement, je devais aller à la Japan Expo. Normalement, hein. Bon, j'avais tout le billet, l'hôtel. Bon, l'hôtel, j'ai pu annuler tout ça, heureusement. Mais je devais remplacer sur mon lieu de travail, donc malheureusement, je n'ai pas pu aller à la Japan Expo. Bon, de toute façon, d'après ce que je vois, ils ont encore augmenté les tarifs. Et puis, la Japan Expo, j'y suis allé deux fois. J'ai pu tester les deux différents hôtels qui sont près du parc des expos à Paris-Nord-Villepinte. Voilà. Bon, pour moi, Japan Expo, ben non, mais c'est bien, c'est tout, c'est grand, c'est bien, blablabla, mais voilà. Je pense que je vais me concentrer uniquement sur les conventions en Belgique, même si on a moins, beaucoup moins qu'en France. Et si jamais je peux, ben, j'irai peut-être aux conventions, genre à Lille, à Cambrai, ou que sais-je, quoi. Voilà. Bon, alors, ben, on va d'abord commencer par les pop, hein, vu que les pop se présentent juste devant moi. Donc j'en ai pris quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pop, 13 pop. Eh ben oui, tiens. Alors on va commencer avec ce fameux film, Wayne's World. Alors ici c'est Garth et Wayne. Ben voilà. Je me trompe pas, ce sont les deux seuls qui existent sur Wayne's World. Voilà. Ben, elles sont miennes maintenant. Voilà. Ensuite, ben, celle-ci j'en ai chié. Pardon de parler comme ça, mais j'en ai chié pour la trouver. C'est Todoroki Shoto de My Hero Academia. Ah bah oui, j'en ai bavé pour la trouver parce que les Funko Pop de My Hero Academia, c'est assez difficile à trouver. Là-dessus, bah, il me manque Deku avec son training. Mais c'est assez dur à trouver, franchement. J'ai pas encore trouvé celle de Endeavor, de Aizawa, enfin, et Eraserhead avec son costume de héros. J'espère que j'y trouverai un jour. Là, ici, c'est la Scary Library Ghost. Désolé pour mon accent. Eh ben, c'est le premier fantôme qu'on voit dans Ghostbusters quand Egon, Peter et Raymond inspectent cette bibliothèque, cette grande bibliothèque qui est hantée. Eh bien sûr, ils n'ont pas. Ben, le pack de protons n'était pas encore créé, donc tout ce qu'il peut faire, c'est fuir face à ce fantôme très effrayant, qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo Ghostbusters, sorti à l'époque sur PS3. Il y a eu aussi une version PS2, mais c'est la version PS3 à laquelle j'ai joué. Et ce fantôme est assez fort, si jamais. Voilà, petite parenthèse. Toujours dans l'univers Ghostbusters, je suis content. Winston Zeddemore, ben, j'ai les 4 chasseurs de fantômes. Il manque plus que Slimer. Et aussi le Stay Puft Shyamalan, que j'aimerais bien trouver. Je me demande s'ils en sortiront une de Janine, leur secrétaire. Ben, Dana Barrett aussi, puisque Sigourney Weaver a fait partie du film. Mais aussi, allez, comment il s'appelle? C'est le voisin de palier de Dana Barrett dans le premier, puis dans le second, il devient leur conseiller fiscal, si je ne me trompe pas, Louis Tully, qui était incarné par Rick Moranis. Rick Moranis, c'est un acteur qu'on voyait aussi dans. Ben, maman, enfin, chérie, j'ai rétréci les gosses, genoux ai rétréci, j'agrandis le bébé, enfin voilà quoi. Un acteur typique des années 80, années 90, que j'aime bien. Mais vous avez des acteurs comme ça, typiques des années 80, années 90, qui ont un petit peu disparu de la circulation, soit ils sont décédés, soit ils ont quitté le monde du cinéma. Ça ferait zizir de les revoir, enfin voilà. Ah, celle-ci, Vince Mock Sanji, de One Piece. Oh bah celle-ci j'ai trouvé à la Fnac de Lille. Ça faisait longtemps que j'ai pas été à Lille. Bah oui, je suis aussi allé à Lille. C'était pas prévu, mais comme j'ai pas su aller à Japan Expo, bah je me suis dit allez, je vais quand même aller en France. Désolé, c'est un SMS. Je vais quand même aller en France et je vais me faire plaisir. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et là-dessus, qu'est-ce qui me manque? Don Quixote de Flamingo et Nico Robin. Voilà. Bien faite. Celle-ci aussi, j'ai trouvé à Lille, et c'est Mohamed Ali, la légende de la boxe, Mohamed Ali. J'aime bien la Fnac, c'est toujours deux pops achetés et une offerte. Voilà, vraiment très bien. Voilà.
Ensuite, ça vient de chez Micromania, toujours à Lille. Majin Buu sous sa véritable apparence. Ou alors oui, c'est Kid Buu dans les jeux vidéo, c'est Kid Buu. Mais bon, c'est Majin Buu sous sa véritable apparence. Oui, il y en a encore plein, mais qu'est-ce qui manque? Il manque Vegeta et Goku dans leur position légendaire avant leur premier combat. Il manque Chi-Chi, Goten, Frieza. Vraiment bien faite. Là aussi, Raditz. Raditz, le frère de Goku. Voilà. Bah, on va continuer avec DBZ, hein. Nappa. Et Majin Buu sous sa forme arrondie, Majin Buu. Oh, qu'est-ce que j'adore cet arc Majin Buu, Majin Vegeta, Majin Buu, les différentes fusions, les transformations de Majin Buu. J'adore cet arc. Alors ici, je sais pas si vous avez été voir Comme des bêtes 2 au cinéma. Là, c'est Snowball, c'est un petit lapin qui se prend pour un super-héros, mais qui flippe un peu face au danger. Enfin, moi, j'ai bien aimé le film. Bon, je fais un peu fi de la voix française de celui qui fait Max, le chien avec son Max with cone, voilà. Oui, la voix française c'était Philippe Lachaud, mais je ne vais plus m'étendre sur le sujet, sur cet acteur et c'est ce qu'il et sur ce qu'il a fait. Voilà. Et la catcheuse Alexa Bliss que j'ai trouvée en Belgique. Voilà. Bon, quelques-uns, il manque Le Rock, Razor Ramon et Braun Strowman. Je ne sais pas si je vais prendre Strowman parce que le mec en question sur son Instagram il poste des photos d'animaux qu'il massacre à la chasse et j'aime pas trop ce qu'il fait. Voire j'aime pas du tout. Je crois que je vais faire l'impasse sur Strowman. Niveau jeu vidéo. Alors, c'est pas moi qui ai mis ça sur la jaquette, c'est ce que j'ai trouvé à Lille aussi. Ben, c'était genre deux jeux achetés et un gratos. Là, c'est Tintin Objectif Adventure. Alors, bien, on voit que c'est en 3D, différents lieux à visiter. Jouer avec Tintin et Milon en 3D, voyage à travers le monde en passant par la Lune. Ah, par la Lune. Cool. Conduit des engins solides comme le char lunaire ou le sous-marin requin, affronte tes ennemis tels que Rastapopoulos. Ah, ben oui, pour les personnes qui sont fans de Tintin, on a déjà eu des jeux vidéo Tintin, notamment sur Super Nintendo, Mega Drive, qui étaient extrêmement durs. Alors, ici, Borderlands 2, j'ai adoré le premier. Je suis pas très FPS, mais des jeux comme Borderlands, Call of. Ben moi, ça m'a donné envie de me lancer dans l'FPS. Ah, j'aime bien. Surtout le design en cel shading. J'aime beaucoup. Allez, c'est Alien versus Predator Extinction. Là, c'est un jeu en RTS. Donc, c'est un jeu. C'est Command & Conquer, mais avec l'univers de Predator et Alien. Donc, ben, on incarne ben, les deux bestioles. Que vous soyez du côté des aliens, des Predators ou des marines. Ah, des marines aussi, oui. Combattez pour le contrôle de la planète LV-742 dans ce jeu de tactique inspiré de l'univers d'Alien versus Predator. Voilà. Ben, en fait, quand vous incarnez l'alien, ben, vous avez la reine, vous avez la possibilité de créer des œufs. Voilà quoi, le Predator, ben. C'est de la chasse, bien sûr, et le Marines, essayer de survivre. Voilà. Tony Hawk, Downhill Jam. Bah, Tony Hawk, si vous connaissez, voilà, c'est du skateboard, faire des tricks, des ollies, des tricks, des grinds. J'ai déjà essayé, c'est plutôt sympatoche, j'aime bien. Quake 3 Révolution, encore du FPS. J'ai déjà fait les deux missions, enfin, j'ai fait le didacticiel et la première mission. Bah, c'est bien, c'est nerveux et tout. Ce n'est pas soporifique, c'est vraiment nerveux. Il faut vraiment avoir des yeux partout pour liquider son adversaire. J'ai bien aimé. Et ensuite, X-Men 2 et la vengeance de Wolverine. Ben, on incarne ce bon vieux Logan. On part eh bien de quand il s'échappe du laboratoire, puisque c'est le projet Weapon X. Et là, il doit s'échapper d'un laboratoire et on doit affronter différents adversaires comme Dent de Sable, Fléau, Magneto. Enfin voilà quoi. J'ai déjà joué, c'est vraiment sympa. Vraiment très sympa, sa capacité de régénération, le fait qu'il ressente, enfin qu'il se serve de ses sens pour sentir l'odeur, voir les changements thermiques. C'est vraiment génial. Et j'avais aussi d'autres memory cards à présenter, mais j'ai déjà utilisé. Ouais. J'ai encore plein de jeux PS2 à mettre en plus. Voilà. Alors là, ça c'est une figurine de Vegeta en Super Saiyan. 30 euros, d'habitude c'est quoi, 60, 70 euros? Ben voilà, j'ai trouvé pêle-mêle à Bruxelles, je ne pouvais pas passer à côté. Bon voilà, on a différentes. On voit sur le côté différents visages de Vegeta, il y a différentes mains pour lui faire prendre différentes positions. Ben voilà, 30 euros, je trouve que c'est donné. Voilà. Puis Vegeta, c'est Vegeta, quoi. Passe pas à côté. Alors là ici, Star Trek Deep Space Nine. Là ici, c'est
C'est quoi son petit nom? Tosk, c'est un reptilien. Ah ben un reptilien pour tous les adeptes de la théorie du complot, puisqu'il paraît que tous les dirigeants du monde sont des reptiliens. Et ils vont peut-être en trouver en allant visiter la zone 51. Et d'après ce que j'ai lu, ils veulent aussi aller rendre visite au monstre du Loch Ness. J'aime bien le paranormal, mais voilà quoi. Je sais pas, déjà, il faut traverser ce complexe militaire qui est la zone 51 et c'est un petit peu beaucoup armé là-bas, d'après ce que j'ai pu voir. Alors là, c'est un. Ah, ben c'est Worf en Klingon Warrior. Ces figurines-là, je les trouve chez Utopia à Bruxelles, près de la bourse. Et bien sûr. Attendez, je vais montrer mieux que ça. Et bien sûr, il y en a encore plein. Et vous me connaissez, je pense. Bah, il me les faut toutes. Bah, je crois que ce sera dur. Alors là, ici, c'est une nouvelle collection. Là, c'est les Legends série de chez Marvel. Et là, c'est Mysterio. Est-ce que vous avez été voir le film Spider-Man Far From Home? Moi, j'ai adoré. Je trouve que Mysterio, c'est un personnage vraiment génial, quoi. Et ce qui sera la phase 4 du MCU, franchement, j'ai hâte de voir. Enfin, il y a deux scènes post-crédit, je n'en dis pas plus. Mais ça donne envie. Franchement, ça donne envie. On peut voir, ben, c'est la même chose, il faut collectionner. Ah, c'est sept personnages-là, sept personnages. Il faut collectionner sept personnages pour créer le fameux lézard, le Dr. Connor qui se transforme en lézard dans l'univers de Spider-Man. Ben voilà. C'est plutôt bien fait, ces figurines. Et comme vous voyez à chaque fois, ben, chaque personnage possède une jambe, un bras, le torse, la tête. Voilà. Ici, d'autres personnages. Là, c'est Bishop. Bishop à X-Men. Là, c'est pour créer le docteur Karl Lykos. Vous voyez? Je trouve que Bishop, il est vraiment classe comme ça. Les cheveux longs, la barbe, la barbe attitude. Ah, là, c'est collectionner 6 figurines. Ah, c'est différent, là. Et là, c'est ce bon vieux Omega Red. Je l'ai pris parce que je n'ai pas de figurine Omega Red. Et je trouve qu'il est classe. L'univers des X-Men. Et ici, c'est la même chose pour créer le docteur Karl Lykos. Donc, il manque les deux Deadpool. Wolverine version X-23 et Lady Deadpool. Voilà. Alors, ça. Voilà, ça fait son prix, hein. 24,99. Enfin bon. Soit ça, soit on se tape les États-Unis. Alors ben, on va passer au manga, hein, puisque les mangas, je me suis un petit peu lâché, comme vous pouvez voir. Mais bon, quand c'est des mangas d'occasion ou à la Fnac, moi je saute dessus. Ben, Gunm, édition originale, il m'en manque un. Hein. Après la pluie, le volume 3, j'ai pris le volume 4. Les dessins sont vraiment très bien faits. Edons Zero, Jagan volume 3, Silent Mobius, c'est le volume 3 aussi. Ah, ça, c'est d'occasion. Hein. Puis là, j'ai pris Des Greyman, c'est le volume 12. Je vais mettre là-bas. Le manque de place commence à se faire sentir, savez-vous? Alors, là, ici, j'ai pris Chibi Vampire, volume 8. C'est quoi? I Am a Hero. Ah oui, I Am a Hero, volume 7. Riné, volume 2, de la talentueuse Takahashi Rumiko. Final Fantasy Type 0, pardon, le guerrier à l'épée de glace. Ça, je les trouve à pêle-mêle à Waterloo, à Bruxelles. Bamboo Blade volume 6. Gunslinger Girl volume 8. Gunm édition originale volume 8. Ici. Ah là, je suis content. Là, c'est dur à trouver. La Rose de Versailles, Versailles Nobara volume 3. En France, en Belgique, c'est sorti sous le nom de Lady Oscar. Là, c'est Oscar de Jarget. En fait, l'histoire principale se termine en deux volumes, et le volume 3, c'est des petites histoires. Ce sont des petites histoires sur Oscar de Jarget, André. Regardez un petit peu les dessins. Regardez les dessins, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique, quoi. Et il y a volume 4 qui est sorti ce mois-ci. C'est des petites histoires, des petites sonnettes. Bon, le dessin peut peut-être rebuter les personnes qui ne sont pas habituées, mais. Je trouve que sur toile de fond, ben, c'est Louis XVI, c'est la reine Marie-Antoinette, et aussi bientôt la Révolution française. Je trouve que ça mérite d'être connu. Reconnu, encore plus. I Am a Hero, volume 3. Voilà. Ah là, ici, c'est culte.
Parker Lewis, volume, l'intégrale de la saison 1. Bon, c'était 7 euros, j'avais pas passé à côté. Hein. Bon, j'ai pas ma montre, mais synchronisation des montres. Pour les personnes qui connaissent. Alors, plus récent, My Hero Academia, volume 19. Bah, j'aime bien la couverture. Bon, il y a Bakugo derrière, mais c'est bien de mettre en avant des généraux moins mis en avant, quoi. Enfin, moi, j'aime bien. C'est pas tout le temps Deku, All Might, Bakugo en scène, quoi. Dragon Ball Super, le volume 8. Alors, celui-là, je ne connaissais pas. C'était pas prévu que je le prenne, mais le synopsis, ça m'a donné envie. Teacher Killer, volume 1. Je sais pas si vous connaissez. Ben, on va lire le synopsis ensemble, hein. Après les cours, mon gentil professeur me fait réviser. Les copines pensent qu'on a une relation cachée. C'est effectivement le cas, mais absolument pas de l'amour. C'est un serial killer. Et il m'apprend les ficelles. Enfin voilà quoi. Ça a l'air sympa. Winneverland volume 5. Gunm volume 7. Black Torch volume 1. Puis on en a d'autres aussi. Bah, j'ai beaucoup pris un de manga. Kenshin 28. Le 27. Le 25. Yaiba volume 1. C'est fait par l'auteur de Détective Conan. Magical Task Force Asuka. Senseiya Sentiasho, Capitaine Albator, je vais un peu vite parce que la vidéo se termine bientôt. Ensuite, le journal de Kanoko, je sais pas si vous connaissez. Ushijima, l'usurier de l'ombre, encore Ushijima, l'usurier de l'ombre. Family Compo, fait par l'auteur de City Hunter. Kings of Shogi, encore Kings of Shogi. Basara, Hell's Kitchen. J'ai pris Vampire, j'arrive pas à tenir. Vampire Knight, voilà, encore Vampire Knight, Vampire Knight, je vais un peu vite, hein, désolé. Pandora Hearts, le journal de Kanoko, donc il y a plusieurs versions. Il y a la version, bah, la première histoire, et l'autre histoire c'est Annelise, ouais. C'est des puzzles, pardon. Bah voilà, du puzzle Majora's Mask, et le Collector's Puzzle avec la carte d'Hyrule, si je me trompe pas. Plutôt bien fait. Voilà, et à ce prix-là. Et enfin, des intégrales de bande dessinée, j'ai pris du Joan et Pirluit et Benoît Prisfer, tous deux du même auteur, Peyo. Voilà. Donc je me suis fait plaisir quand même. Bah, écoutez, de temps en temps, ça fait du bien. Enfin, de temps en temps, pour moi, c'est tous les mois. Voilà, j'espère que vous allez passer un bonne journée, un bon fin de mois de juillet, un bon mois d'août. Et à la prochaine. Salut!